Salut Neuvième, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue une autre fois avec les exercices du DELF. S'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 110, exercice 3. Répondre à un message. Vous recevez ce message d'un ami français et il faut y répondre. De Lucas. Alors, Lucas, voilà, c'est la voiture de Lucas. Lucas est envoyé ce message. On va lire pour y répondre. De lucas@messagerie.fr. Objet, nouvelle. Nouvelle ici, c'est-à-dire news. Salut, comment ça va? Moi, j'en vais pas très bien. Oh là là, il ne va pas bien. Pourquoi? Il est à l'hôpital. Je suis à l'hôpital depuis 3 jours à cause de ma jambe. La jambe, qu'est-ce que ça veut dire la jambe? La jambe, c'est-à-dire leg. Alors, il a mal aux jambes. C'est pourquoi, à la jambe, c'est pourquoi il est allé à l'hôpital et il est resté 3 jours. Je me nuis. Alors, c'est ennuyeux. Boring. It's boring de rester à l'école 3 days. Alors, c'est ennuyeux. Je m'ennuie. Écris-moi vite, Lucas. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre à Lucas. On va lire. Vous écrivez un message. Il va vous donner aussi de vos nouvelles. Vous lui parlez de vos activités. Et attention, on écrit combien de mots? On écrit 60 mots minimum. D'accord? Alors, voilà, c'est la situation. Nous avons un ami qui s'appelle Lucas. Lucas, il est malade. Il est à l'hôpital 3 jours à cause de sa jambe et il s'ennuie. Il faut lui répondre. On va commencer. Deux. From. Alors, ici, comment tu t'appelles aujourd'hui? Alors, on peut choisir n'importe quel nom. Par exemple, Sophie, Pauline, Sébastien, Vincent. Alors, je vais choisir Vincent. Vincent@hotmail.fr. L'objet, c'est quoi? Alors, c'est quelqu'un qui est malade. Alors, ici, on va dire bonne guérison. Get well soon. Par exemple, c'est pour souhaiter à quelqu'un qui est malade une bonne guérison. D'accord? Bonne guérison. Il a commencé par... Salut, je vais commencer par bonjour ou coucou entre les amis. Alors, je vais commencer par bonjour. Comment il s'appelle? Lucas. Bonjour, Lucas. Alors, il est malade. Alors, peut-être on va commencer par j'espère que tu vas bien. Comment ça va maintenant? Et, alors, je vais commencer par comment ça va? Je te souhaite, I wish you, je te souhaite un bon rétablissement. Speed recovery. Un bon rétablissement. D'accord? On peut lui demander, il est à quel hôpital? Parce que, par exemple, on veut lui rendre visite. Alors, tu y es transporté à quel hôpital ou tu y es à quel hôpital? Hôpital. Tu es à quel hôpital? Je viendrai te rendre visite. I come to te rendre visite. Je viendrai, alors viendrai, c'est verbe venir au futur simple, venir, c'est un verbe irrégulier, alors je viendrai te rendre visite. Qu'est-ce que je t'apporte? Alors, on va rendre visite à un malade, alors qu'est-ce que je t'apporte. Verbe apporter, bring. Qu'est-ce que je t'apporte? On peut lui donner des choix, par exemple, des oranges ou des bananes? Des oranges ou des bananes? Ou des pommes.
D'accord? Alors, comme vous voulez, ou de jus, par exemple, de fruits. Alors, on peut dire que je sais très bien que tu adores les bananes. Je vais t'apporter des bananes parce que tu les aimes beaucoup. Comme vous voulez. D'accord? Vous êtes libre. Alors, lisons ce qu'on a écrit. Bonjour Lucas, comment ça va? Je te souhaite un bon rétablissement. Tu es à quel hôpital? Je viendrai te rendre visite. Qu'est-ce que je t'apporte? Alors, qu'est-ce que je t'apporte? Pourquoi ici il y a un S? On le dit le S. Qu'est-ce que je t'apporte? Des oranges ou des bananes? Maintenant, on peut commencer à parler de nos activités. Moi, je vais très bien. Je vais très bien. D'accord? On peut imaginer les activités. Par exemple, j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire du basketball. D'accord? On peut dire que j'ai un entraînement. Entraînement. Chaque. Ou combien de jours, par exemple, chaque jeudi, chaque vendredi, ou combien de jours par semaine, par exemple, j'ai un entraînement 2 jours par semaine. On peut imaginer 4 jours, par exemple, samedi, samedi matin, parce que c'est le week-end, et mercredi après-midi, par exemple, ou mercredi soir. Mercredi soir. D'accord? Alors, on peut terminer notre message. Tu veux m'accompagner? Si on peut lui poser la question, tu veux m'accompagner? M'accompagner, c'est-à-dire venir avec moi, mais il a mal aux jambes. Alors ici, on ne va pas poser cette question. Alors, samedi matin et mercredi soir. On peut donner une impression, par exemple, c'est très intéressant, par exemple, l'entraînement. Donc, c'est fantastique ou c'est super, par exemple, c'est cool, par exemple, c'est super. D'accord? C'est-à-dire, tu es content parce que, on parle de qui? De Vincent. Vincent, il est content parce qu'il a commencé à faire du basket, c'est super. D'accord? Alors maintenant, on va terminer notre message par bonne guérison. Bonne guérison. Bonne guérison. Je te souhaite une bonne santé, par exemple. Bonne guérison. Et à très bientôt, see you soon, par exemple. Et à très bientôt. À très bientôt, ton ami, comment il s'appelle? Il s'appelle Vincent. Alors, on va écrire ton ami Vincent. D'accord? Alors, voilà, comme ça, on a fini le mail. On va lire. Bonjour Lucas, comment ça va? Je te souhaite un bon rétablissement. Tu es à quel hôpital? Je viendrai te rendre visite. Qu'est-ce que je t'apporte? Des oranges ou des bananes, moi je vais très bien. J'ai commencé à faire du basket. J'ai un entraînement 2 jours par semaine, samedi matin et mercredi soir. C'est super. Bonne guérison et à très bientôt, ton ami Vincent. Alors, combien de mots on a écrit? On peut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, jusqu'ici, 30. Alors, ici, 30. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Ici, ça fait 30. Alors, 4 lignes, ça fait 30. Et 4, encore 4 lignes, ça fait 30. Alors, c'est à peu près 60 mots comme il nous a demandé. D'accord? Alors, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.